tais pas, ne te tais pas. Le Seigneur a besoin d'entendre ta voix. Le Saint-Esprit a besoin d'entendre ta voix. Le Seigneur n'aime pas ceux qui sont timides. Il veut entendre un cœur repentant. Il veut entendre quelqu'un qui est sincère. Donc sois sincère, sois sincère. Sois sincère avec le Seigneur Jésus. Sois sincère avec le Seigneur Jésus. Sois sincère avec le Seigneur Jésus. Sois sincère, sois sincère, sois sincère. Le Saint-Esprit a besoin de t'entendre. Le Seigneur Jésus a besoin de t'entendre. Oui, ne t'arrête pas. Priez, ne t'arrête pas. Priez, ne t'arrête pas. Priez, ne t'arrête pas. Ne t'arrête surtout pas. Ne t'arrête surtout pas, je t'en prie. Prie. Et quand le sang de Jésus, de laver des mauvaises pensées, des critiques, des calomnies, des querelles, de la médisance. Et quand le sang de Jésus, vous délavez de la jalousie, vous délavez des rêves sexuels, vous délavez des pensées sexuelles, et quand le sang de Jésus, réclame son sang, réclame son sang, réclame son sang. Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tiens-toi à Dieu. Tiens-toi, tenez-vous debout dans la maison du monde. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Donc merci. Portez-vous de l'église. Ce n'est pas pour moi. Mais par rapport à vous. Et donc vous êtes plus nombreux que moi. Vous faites comment? Lorsqu'un chrétien se met à prier, c'est qu'il est foi, il est mort. Maintenant, quand tu pries, est-ce que tu as foi dans ta prière? Ta prière sera une abomination. Ne t'en prie. Parle à plein d'osier. Afin que le Saint-Esprit entende ta voix. Sinon, on va recommencer la repentance. Parce que la repentance n'a pas été cessée. Tu dis, oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Oh Seigneur Jésus! Oh Seigneur Jésus! Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Selon ta grande miséricorde. Efface. Efface. Mes transgressions. Mes transgressions. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Efface, efface mes transgressions. Cet esprit de Dieu, Dieu, je t'en supplie. Je t'en supplie. Efface, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon péché. Lave-moi complètement. Le Saint-Esprit afin de venir te conduire dans ce moment d'enseignement. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Dis-lui de venir te conduire, de venir assister ton cœur, assister ton âme, assister tout ton être entier afin de venir te conduire. Dis-lui que tu as besoin de la connaissance, de comprendre ce qui est l'issue qui sera donnée.
Dis ce que tu as fait la parole pour comprendre. Ta parole te sera accordée. Déclame le Saint-Esprit. 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 Réclame le Saint-Esprit, réclame le Saint-Esprit. Réclame le la connaissance maintenant. Réclame le Saint-Esprit, réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit, réclame le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit, réclame le Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Alléluia. 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 Alléluia.
principe. En principe. Mais il y a eu un changement de programme. Donc, l'homme de Dieu a voulu véhiculer quelque chose de fort. Et donc, l'enseignement, ça sera le vendredi prochain. Donc, prière, méditer avant de venir. Prière, méditer avant de venir. Parce que je pose question, je rappelle, ceux qui n'étaient pas là. Pendant les séances d'enseignement ici, je pose question parce que nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Je veux rappeler à quelqu'un que lorsqu'on te pose question, que tu ne le comprends pas, tu vas prendre la porte parce que tu es censé méditer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, quand tu viens pour écouter. Tes jeux de distraction et autres là, tu es souffrant, tu es frais, ça, il n'y a plus à faire de attention. Tu prends la porte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que vous êtes dans la présence de Dieu, c'est le silence complet parce que c'est le Saint-Esprit qui est là. Donc, comme quand je suis en train d'enseigner, si j'entends un bruit, tu prends la porte directement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que ici, c'est l'ordre. Amen. Donc, étant donné que notre Dieu est un Dieu d'ordre, tu te dois de rester dans l'ordre. Selon que les apôtres aussi ont enseigné l'ordre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es content, tu vas clamer le Seigneur de Dieu. Jésus. Amen. Comme celui-là est devenu froid comme ça, c'est quoi? Quand il y a quelqu'un là, c'est pas comme ça qu'on dit. Qui a versé l'eau glacée sur nous? Hein? Manassé. Qui a versé de l'eau glacée sur nous? Vous êtes devenu froid. Oh, c'est le serpent qui est froid. Faites attention. Faites attention à la sémence. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. Amen. Bien-aimé, au moment où j'arrivais et que l'homme de Dieu est en train de faire toute la direction, il y a des éléments et des réalités spirituelles sur lesquelles l'Esprit de Dieu a commencé à m'interpeller au fur et à mesure que j'entends. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Satan n'est pas en vacances. On dit Satan n'est pas en vacances. Satan n'est pas en vacances. Les démons ne sont pas allés en congé. Les démons ne sont pas allés en congé. Ils travaillent 24 heures sur 24. Le monde des ténèbres est organisé. Et le monde des ténèbres, c'est objectif par objectif. Tu veux pas, tu atteins l'objectif. Si tu n'atteins pas l'objectif, c'est au prix de ta vie. Donc, même les sorciers, c'est au prix de leur propre vie. Même les démons, c'est au prix de leur existence. Gloire à Jésus. Amen. Mais les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, ils s'en foutent. Les enfants de Dieu, ils prennent tout avec légèreté. Les enfants de Dieu, ils font tout avec négligence. Ils font tout avec froideur. Vous ne savez pas le Dieu que vous adorez. Ou bien vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que si vous connaissez ce que vous adorez, même ici, vous et toute votre famille, vous allez être là. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus importante de notre vie. C'est de retrouver la voie pour revenir à la maison. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu dois aller au ciel, le Seigneur dit, vous allez revenir où ça? À la maison. Vous allez revenir à la maison. Ça veut dire que vous étiez là-bas, vous aussi. Et vous êtes venu en pèlerinage sur terre. Et au moment opportun, vous devez retourner à la maison. Maintenant, retourner à la maison, tu dois savoir qui tu es. Qui est le Dieu que tu adores?
afin que tu puisses lui rendre un culte convenable. Pendant les délivrances, il y a des démons qui ont été pris et qui ont dit s'il y avait la possibilité pour eux d'avoir la repentance, c'est-à-dire que si eux, ils pouvaient se repentir pour demander pardon à Dieu de tout ce qu'ils ont fait et que le Seigneur ouvrait la porte pour leur permettre de revenir, que lui, il allait prendre sa langue pour balayer toutes les routes de toute la terre jusqu'à venir se croiser là où il a commencé. Ça veut dire que le Dieu que nous avons, si tu n'es pas avec lui, tu n'es personne. Tu es le néant, tu es le vide, tu as tout perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous rendez culte à celui qui est au-dessus de tout nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ. Ce que vous ne savez pas, c'est que quand vous vous réunissez ici, quand l'heure du culte arrive, que vous vous retrouvez ici, pendant que vous êtes en train de prier, que vous faites vos adorations, vos pensées se promènent à la maison, il y en a les pensées se promènent dans les casseroles, à la télé, pendant qu'ils sont arrêtés ici. Pendant que vous êtes en train de faire ça, le monde des ténèbres a une feuille de route claire. Et si le Seigneur permet que vos yeux s'ouvrent, que vous voyez la catégorie des démons qu'on envoie pour empêcher l'adoration de Jésus-Christ sur terre, si vous les voyez, comme on a dit, va, même pour prier dans ta maison, tu vas prier avec beaucoup de sérieux. Gloire à Jésus. Mais comme vous ne voyez pas toutes ces réalités, parce que le chrétien ne cherche pas à évoluer. Le chrétien, si on a dit dépouillement, la fait dépouillement. Non. Le dépouillement, la sanctification, la sainteté, c'est le début de la vie spirituelle. Le dépouillement te donne d'avoir une autorité. Maintenant, dans l'autorité, tu dois proclamer cette autorité et ta foi permet de pouvoir apporter l'assurance de ce que tu crois. Sinon, tout ce que tu fais est inutile. Le monde des ténèbres, quand eux se réunissent, c'est le lundi à 16h. Tu sais où ils sont? Va au Cocody. Va dans les grands hôtels. Va regarder le Lions Club. C'est leur branche. Va regarder la Maïkari. C'est leur branche. Va regarder le nombre de places voitures garées. À 16h, ils sont en avance sur l'heure. Ils sont présents pour leur culte de lundi à Lucifer. 2 heures avant leur messe noire. Je dis bien, 2 heures avant que ça commence. Et ils sont déjà assis. Ils sont au complet. Alléluia. Mais nous, les enfants de Dieu, le nom qui les renverse et tout ça, Jésus-Christ de Nazareth est avec toi. Et bien pour venir au culte, tu vas traîner les pas. Tu vas te traîner dans ta maison. Tu vas te traîner sur la route. Souvent même, il y a une voix qui te dit, tu vas faire quoi là-bas? Et tu es là, aujourd'hui là, mais je n'ai pas envie de partir. Aujourd'hui là, mais je n'ai pas envie d'aller à la salle. Je suis trop fatigué. Tu t'assois. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. Dans le monde spirituel, il y a une pratique que Satan a envoyée au milieu des hommes, qu'on appelle le langage par la télépathie. C'est-à-dire, il parle sans les mots, sans les gestes, mais que l'esprit a l'esprit. Et c'est le langage par la télépathie qui a été mis dans la télépathie. Donc, lorsque tu regardes un film, le film, l'esprit qui est caché derrière le film, se connaît à ton esprit et te dépose une séance. Est-ce que tu comprends? De même que le livre de Éphésiens 2, Éphésiens 6, 12, dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Pourquoi Jésus te donne une telle révélation? Parce que il a dit, prenez toutes les âmes. Premièrement, le casque du salut. Est-ce que tu sais à quoi il sert? Tu t'es déjà posé la question. Tu as fait des recherches pour savoir qu'on parle du casque du salut sur la tête. À quoi il sert? Est-ce que tu sais?
Si tu n'as pas de casque du salut sur toi, tu n'as plus de personnalité. Tu n'as plus de volonté. Pourquoi? Parce que chaque décision que tu vas prendre sera influencée dans ton cerveau par la méthode de la télépathie, par les esprits impurs qui vont te transmettre leurs pensées. C'est pourquoi plusieurs luttent contre eux-mêmes avec les pensées impures. Ça ne s'arrête pas. Mais pour que ça s'arrête, il faut que non seulement tu sois passé par l'acte de repentance, mais que tu aies mis sur ta tête le véritable casque du salut rempli de feu. Et de sorte que ton imagination, tes pensées, ta mémoire, tout est couvert. Tout est protégé. Plusieurs dorment, ils se lèvent matin, ils n'oublient tout le songe. Le casque du salut n'est pas positionné. Tout ce que le Seigneur va te révéler dans le songe, ils vont venir te balayer ça la nuit. Le matin, tu te réveilles, tu te rappelles de rien du tout. Et tu dis, toi aussi, tu es chrétien. Alléluia. Amen. Et quand on dit les chrétiens se réunissent, toi aussi, tu viens te mettre au milieu d'eux. Alléluia. Amen. Lorsque tu es chrétien, le Seigneur t'a donné les 10 commandements pour que tu puisses les mettre en pratique et que tu puisses réussir ta vie sur terre, ton pèlerinage sur terre. Mais de même qu'il y a les 10 commandements que Jésus nous a donnés, de même que le diable aussi a ses 10 commandements qu'il enseigne, et ces 10 commandements sont dans la doctrine des démons, dans la doctrine de Balaam, dans la doctrine des Nicolaïtes qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, que certaines personnes enseignent, croyant qu'ils sont en adorer de Dieu, ils sont en adorer de Jésus-Christ. Or, de façon subtile, ils disent le nom de Jésus, mais en réalité, ils sont en plein dans la doctrine des démons et des Nicolaïtes. Maintenant, toi, comme tu ne lis pas ta Bible, tu ne te rends pas compte que dans la doctrine, si tu ne trouves pas la sainte doctrine de Jésus-Christ, tu vas te laisser prendre. C'est pourquoi plusieurs, après avoir écouté des enseignements qui viennent justement des doctrines des démons, qui viennent justement des doctrines de Nicolaïtes et de Balaam, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, quand ils savent écouter ça, quand ils reviennent, ils ont l'impression que tout ce qu'ils savaient de Dieu, c'est comme si le lendemain, il est vide. C'est comme si on leur enlevait tout ce qu'ils savaient de toute la Bible qu'il a lue depuis qu'il a commencé à croire en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas prudents. Et ils ne savent pas le Dieu qu'ils adorent. Le Dieu véritable, si tu sais ça seulement, quand tu le prononces, les dégâts que cela provoque dans le monde des ténèbres, quand ils te voient de loin, il y a une lumière qui est sur toi. Gloire à Jésus. Amen. Pour ce qui concerne les sorciers, quand ils finissent de faire leurs initiations, ils se reconnaissent, ils ont une tache de sang qu'ils ont au milieu ici. Vous allez voir chez les hindous, quand ils vont finir de se laver, qu'ils s'apprêtent à sortir, les femmes mettent une tache de sang, les hommes mettent une tache, un point rouge sur leur front. Mais en fait, dans la sorcellerie, ils ont cette tache de sang là. Et la grosseur de cette tache permet de connaître le grade que celui-ci occupe dans la sorcellerie. C'est pourquoi les sorciers n'aiment pas qu'on regarde dans leurs yeux et qu'on regarde sur leur front. Parce que si tu es chrétien, que tu regardes bien, ça peut prendre feu. Ça peut brûler sur lui, il ne sera plus à l'aise. Donc il ne peut pas te regarder. Deuxième chose, si tu regardes bien, le discernement des esprits peut te montrer. Et c'est comme si tes yeux s'ouvrent un coup et tu vois ça sur lui. Tu sais que c'est lui. Il est avec le monde des ténèbres. C'est pourquoi il ne regarde pas. Surtout qu'il voit que tu as le feu sur toi. Et le feu de Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu sais que tu as cette autorité, tu n'es plus en train de t'amuser. Gloire à Jésus.
Tu n'es plus en train de faire des petits calculs. Et la façon dont tu adores Dieu change. La façon dont tu appelles ton Jésus change. La façon dont tu lui rends que tout change. Parce que tu lui donnes toute l'importance qui va avec ce nom. Alléluia. Alléluia. Et Satan, à la mention du nom de Jésus-Christ, lui-même, il se renverse. Ses démons se renversent. Les agents se renversent. Eux tous, ils sont à terre. Maintenant, toi, tu as cette autorité. Lorsqu'on te dit prie, lorsqu'on te dit répands-toi, hey, quand tu dirigeais, il dit répandez-vous. Il y en a qui font, moi-même, je ne vois même plus le péché que j'ai fait. Si c'est repentance, là, même moi, je finis avec ça. Parce que moi, il me répand, là, là où je suis, là, je ne pense même pas qu'on peut trouver quelque chose. Toujours repentez-vous. Toujours repentez-vous. Il y a déjà tout enlevé. Il ne sait même pas même ce qu'il y a dit encore. Bon, comme ils ont dit, on casse même pas aujourd'hui. Il a dormi un peu. S'ils finissent, quand on s'est levé, moi aussi, il y a une vie. Tu ne sais pas. Dans la repentance, il y a le péché de la chair, il y a le péché de l'esprit, il y a le péché de l'âme. Alléluia. Plusieurs se promènent dans les rues, mais leur âme n'est pas sur eux. Plusieurs disent Jésus, Jésus, mais ils sont enfermés dans des prisons spirituelles. Plusieurs crient, oh Jésus, mais en réalité, où il est? S'il meurt tout de suite, il ne peut pas entrer au ciel. Pourquoi? Parce que le voici justement, au moment où il est couché, son âme sort. Son âme sort de lui. Et quand son âme s'en va manger. Quelle nourriture? Tous les blocages que le monde des ténèbres et de la sorcellerie a écrit. Parce que lorsqu'ils se réunissent, ils font un cercle rond. Et pendant qu'ils sont dans le cercle rond, ils sont tous nus. Leur chef, en fonction du nombre de personnes qu'il a déjà tuées, c'est le sorcement là qui prend pour faire le trône. Il s'assoit dessus. C'est pourquoi vous voyez dans la délivrance, quand on dit on casse le trône, on brise le trône, il crie. Parce que c'est l'exaucement humain et spirituellement qui transporte dans le monde où ils opèrent, dans cette dimension qu'on appelle le monde astral. Et c'est dans ce monde astral que tu vas trouver le dénombrement des autres mondes où Satan est allé s'asseoir, lui et tous ses démons. Maintenant, quand vous regardez dans leur pratique, lorsque Satan est tombé sur terre, premièrement, il est descendu, mais ce qu'il avait vu au ciel ne lui a pas été enlevé. Il était responsable. Il était irresponsable. Il était responsable des adorations, responsable de la louange. Donc il sait, quand il loue, quand ils adorent, le rayonnement et la gloire, la lumière de cela produit dans le royaume des cieux. On n'a pas besoin de payer les impôts, parce que la gloire de Dieu éclaire tout le monde. Donc il sait ce que c'est parce qu'il était là-bas. Et ils ne sont pas dans une vie d'esprit. Ils étaient là. Mais ils n'ont pas été trouvés dignes. Parce qu'ils ont, ils connaissaient le bien et le mal, eux tous. Et chacun à la mise en garde. Tu te trompes, tu descends. Vous voyez comment le Seigneur est sévère avec eux. Tu te trompes. Tu sors de son royaume. Mais toi, tous les matins, tu te
salue, toi, tu fais toutes ces choses. Il te jette. Il ne te condamne pas. Mais il a mis une alliance de son amour éternel entre toi et lui. Et la considération que le Seigneur Jésus te donne est au-dessus de la considération qu'il donne aux anges. Pour le voir, quand un se trompe, il n'y a pas de repentance. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Ils ont vu ça, ils ont touché ça. Ils connaissent ce qu'on appelle le royaume des cieux. Ils ont vu ça, ils ont touché ça. Ils connaissent ce qu'on appelle la cité céleste. Ils ont vu, ils ont touché. C'est quoi on appelle la parole de Dieu. La puissance de la parole. Ils ont vu, ils ont touché à tout. Donc ils savent tout. C'est ça quelque chose. Et que tu tombes dans l'interdit. Tu as fait ça, non? C'est pourquoi toi qui es assis là, écoute mon pied. Quand tu étais païen, il y a des choses que tu ne savais pas spirituellement. Mais depuis lors que tu as accepté Jésus-Christ, que tu es rentré dans la maison de Jésus-Christ, et que tu as eu le baptême, et que tu as reçu le Saint-Esprit, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Écoute-moi bien. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que le niveau de connaissance de Dieu que tu as te rapproche du royaume de Dieu, de sorte que si tu commets le péché, il n'y a plus de repentance pour toi. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs hommes de Dieu qui avaient un niveau d'onction excellent, mais quand ils sont tombés, ils ne se sont plus jamais relevés. Alléluia. De même que toi, là où tu es, ne dis pas non, moi comme je suis fidèle, non. Le niveau que tu as, tu sais les péchés qu'on ne commet pas. Tu te trompes pour dire que tu vas le commettre. Non seulement il n'y a plus de repentance pour toi, mais c'est une moquerie à l'éternel. C'est pourquoi dans ta repentance là, si tu as dit j'ai menti, si tu as dit j'ai volé, si tu as dit j'ai forniqué, si tu as dit j'ai commis la masturbation, j'ai commis l'adultère, j'étais dans l'impudicité, j'avais la mauvaise pensée, j'étais comme si. Tout ce que tu es en train de dire là, l'éternel est attentif. Prochaine repentance, tu ne dis plus tout ça là. Est-ce que tu comprends même? Est-ce que quelqu'un comprend? Prochaine repentance, tu vas venir là. Tu n'es plus dans ce que tu as dit là. On ne te trouve plus là-bas. Si on te trouve là-bas encore, c'est une moquerie. Et tu te moques de qui? N'est-il pas écrit qu'on ne se moque pas de Dieu? Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est pas la blague. Regardez. Lorsque tu vas dans le livre de Luc 22, à partir du verset 40 jusqu'au verset 46, le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il a vu que la coupe qu'il allait boire est difficile, est terrible, il s'est mis à genoux à commencer à prier. Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe, fais-le. Mais que ta volonté se fasse. Et la parole de Dieu dit, un ange est descendu pour venir le fortifier. Prends courage. Prends courage. On ne va pas annuler ça. Tu vas faire. Mais prends courage. Donc, quand tu as fini de te repentir, tu dois maintenant prendre courage. Parce que tu ne dois plus retourner en arrière. Si tu retournes en arrière, tu deviens comme la femme de Lot. Tu meurs. Et tu quittes le spirituel. Tu quittes l'esprit, tu descends dans la chair. Or, quiconque vit dans la chair mourra. Le péché est attaché dans la chair. Et si le péché te fatigue, ça veut dire que tu n'es pas encore sorti de la chair. Tu es encore lié dans la chair.
Or, les véritables adorateurs, c'est qui? C'est ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Et le Seigneur nous dit, tu ne dois pas vivre dans la chair, mais tu dois vivre en esprit. Si tu vis dans la chair, tu es encore dans les stratégies. Et le diable, dans ses stratégies, va te prendre. Parce que lui, il est descendu dans la chair. Et il contrôle la chair. C'est pourquoi il amène la mort. C'est dans la chair. C'est pourquoi il amène la désobéissance. C'est dans la chair. C'est pourquoi il te pousse à chercher le bien matériel. C'est dans la chair. C'est pourquoi il te fait voir que regarde ce que lui là, il a. Vous êtes promotionnaire. Vous êtes de la même génération. Regarde ce qu'il a. Et toi, regarde ce que tu n'as pas. Tout ça, c'est dans la chair. Et quand tu commences à t'identifier à la chair, spirituellement, tu es bien. Spirituellement, tu es zéro. Et les sorciers se rient de toi. Ils ont un grand Dieu. Ils ont un grand Dieu qui a un grand pouvoir. Derrière ses enfants, eux-mêmes. Il n'y a même pas un qui est digne de lui. Les démons comme ça au fond. Et allez. Ceux-là ne vont pas. Si ce n'était pas les pères qui étaient sur eux, on allait les tuer tous. Et toi, tu as cette autorité. Tu banalises cette autorité. Il y en a même pour prier. Il y en a pour prier lui-même, Dieu. Ouais. Lui-même pour prier Dieu, un chrétien, il fait 2 minutes. Seigneur Jésus, je te remercie. Oh, vraiment, c'est fatigué. Bien sûr. Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah, il dort. Quand les démons voient ça, dans la maison d'une telle maison, il n'y a aucun feu qui est allumé. Regarde, il y a quelque chose que peut-être que tu ne sais pas. Dans tous les quartiers, j'ai dit, dans tous les quartiers de tous les pays, de toute la terre, il y a des rues. Va, je ne sais pas dans quel pays tu vas aller où tu ne vas pas trouver des rues. Même dans les villages, il y a les rues. Il y a les avenues, il y a les secteurs, il y a les régions, il y a les départements. Tout est organisé. Et le diable, justement, c'est pourquoi, lorsque David a commencé à faire le recensement, David ne savait pas. Et quand tu lis, on dit le diable a excité David à faire le recensement. Mais tu te poses la question, mais pourquoi c'était mal? Oui, parce que ça permettait de mettre. Ça permettait en fait de mettre l'architecture diabolique sur terre. Depuis lors, est-ce que toutes les rues ne sont pas tracées comme depuis le temps de David s'est tracé? Ce n'est pas le même recensement là que tous les gouvernements du monde entier font chaque année pour aller préparer l'année électorale. Or, ce recensement était impulsé par qui? Par Satan. Mais maintenant, il se cache derrière. Maintenant, dans toutes les rues, il met un représentant. On compte 10 maisons. 1, 2, 3, 4, 5, 10 maisons. On met un représentant. À chaque 10 maisons, il y a ce qu'on appelle le chef des 10 maisons. Dans chaque rue, dans chaque ruelle, il y a le chef des avenues. Il y a le chef des rues. Il y a le chef du quartier. Il y a les secrétaires généraux. Il y a le président. S'il y a un président de la République en Côte d'Ivoire, il y a un président de la République des sorciers de Côte d'Ivoire. Ah, c'est ça que toi, tu ne sais pas. Mais l'Église et les chrétiens qui doivent mettre le respect et l'ordre, qui doivent imposer l'Esprit de Dieu dans le pays où ils sont, regarde comment les chrétiens eux-mêmes ils rasent les murs.
y a un démon qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden, qu'on appelle le démon de l'infériorité, le démon de l'insécurité, qui a déployé sa tentacule sur la plupart des chrétiens qui se voient comme inférieurs. Les chrétiens se sentent comme des personnes qui sont inférieures. Comme toi, tu penses que tu es inférieur. Mais tu es inférieur à qui et par rapport à toi? Si tu as Jésus avec toi, tu es inférieur donc à qui? Dis-moi. Tu as Jésus avec toi. Ton infériorité, c'est par rapport à qui? Or, c'est à nous de mettre l'ordre sur cette terre. Parce que tout est envoûté. Tout à la base est dans l'enchantement, dans l'ensorcellement. Si nous les chrétiens, nous ne nous levons pas pour prier, pour marquer de l'autorité, de la puissance de Dieu, avec une foi inébranlable, une foi absolument élevée, remplie de feu, on sera en train de, à la longue, se laisser prendre à l'usure et commencer à suivre les fils du diable et à ressembler aux soldats de Satan. Est-ce que tu comprends? Si toujours tu regardes ta voisine qui est prostituée, ton voisin qui est drogué, qui devient ton ami, il n'arrête pas ce qu'il fait. Dans sa drogue, il devient ton ami. Dans sa drogue, la prostituée devient ton ami. Un jour, tu vas voir qu'une prostitution, là, c'est bon. Un jour, tu vas changer d'avis. Quand tu as changé d'avis, un peu, tu vas commencer à aimer ce qu'ils font. Toi qui condamnais Dieu, tu vas commencer à baisser le ton. Tu vas commencer à baisser le ton. Après, tu vas te retrouver avec eux. Et puis, tu vas dire, mais en réalité, ce n'est pas mal. Tu as été corrompu, tu t'es compromis. Or, dans la compromission de Jésus-Christ, jamais. Gloire à Jésus. Amen. Donc, quand tu es chrétien, la puissance qui est avec toi, l'autorité qui est avec toi, quand on te dit prie, quand on te dit parle à Dieu, si tu te mets dans l'obéissance, tu vas voir qu'en réalité, chaque fois que tu manifestes la réelle volonté de Jésus-Christ, les anges sont avec toi. Ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Mais chaque fois que tu décides de marcher véritablement avec Christ, en esprit, en vérité et en toute sincérité, les anges sont autour de toi. De même que quand les gens sortent et qu'ils deviennent des sorciers, des agents du diable, des agents de ténèbres, chaque fois qu'ils le font, les démons sont avec eux. Oh, si toi tu viens à Christ, réellement, les anges et les ténèbres sont avec toi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le Saint-Esprit est avec toi, qui est le Seigneur Jésus lui-même. À partir de cet instant, lorsque tu marches, lorsque tu pries, celui qui est à côté de toi, il a envie de fuir. Parce que le feu que cela dégage, lui-même ne peut pas supporter ça. Gloire à Jésus. Amen. Les apôtres, ils n'étaient pas nombreux. Paul et Silas, ils étaient deux. Ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient deux. Paul et Silas ont été attrapés. Ils ont été battus. Ils ont été jetés en prison. La nuit, pendant qu'ils étaient en prison, ils se sont levés. À minuit, ils ont commencé à adorer Dieu. Je n'ai pas dit qu'il y avait groupe musical. Je n'ai pas dit qu'il y avait bar. Je n'ai pas dit qu'il y avait micro. Ils étaient deux. Mais comme ils ont vu, ils ont connu la foi qu'ils ont, ils savent que si tu aimes Jésus-Christ de tout ton cœur, peu importe qui tu es et où tu es, le royaume des cieux descend là où tu es. Ils savaient ça. Ils ont commencé à adorer Dieu. La terre a commencé à trembler. Ils n'étaient pas trois, ils étaient deux. L'ange de l'Éternel est descendu là où ils étaient.
Les portes des prisons ont pété. Tout s'est ouvert. Eux-mêmes, je suis sûr qu'ils étaient surpris de voir la puissance de l'adoration qui était en eux. Or, justement, toi aussi, tu as cette identité spirituelle. Quand tu acceptes Jésus, sincèrement de tout ton cœur. Mais quand il s'agit de prier, tu déposes tes âmes à côté et tu crois même que le sorcier est plus puissant que toi. Et quand tu quittes là, ce soir j'ai été attaqué, vraiment, j'ai pas dormi. Mais c'était un combat. Qui peut, qui? Lui qui peut t'attaquer, son grand-père n'est pas encore né. Ça veut dire que lui-même, il n'existe pas. Je ne sais pas si tu comprends. C'est comme si le Seigneur Jésus s'élève le matin et dit, Satan m'a attaqué. Je dis, il m'a trop attaqué ce soir-là. Non. Non. Il ne peut pas l'attaquer. Le feu qui est sur toi. Demande au Seigneur, montre-moi le feu qui est sur moi. Il ne faut pas regarder pour quelqu'un, mais pour toi-même. Dis au Seigneur, Seigneur Jésus, moi j'ai accepté de tout mon cœur, de toutes mes forces. Je marche conformément à ta parole. Le feu que tu as mis sur moi, je veux voir comment ça y est. Si toi-même tu te vois, toi-même tu vas avoir peur de te regarder toi-même dans un miroir. Parce que quand tu as fait votre vie, c'est moi qui suis là. Alléluia. Amen. Le diable a donné ses commandements. Et dans ses commandements, son premier commandement, il dit, empêcher les chrétiens de faire quoi? De lire la Bible. Mais laissez-les lire tous les journaux, tous les livres, les revues, les romans à caractère religieux où on fait les commentaires des versets bibliques. Ils n'ont qu'à lire ça. Mais ne laissez pas lire la Bible. Et pour ne même pas que tu lises la Bible, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer des agents sataniques, des démons. Donc qui vont se dire être musulmans. Ils vont venir faire débat. Jésus n'est pas Dieu, Jésus. Ce sont des agents de Satan. C'est l'armée du diable que tu es en train de voir comme ça. Et il y a des chrétiens qui perdent leur temps à aller discuter avec ceux. Non seulement ils ne cherchent pas à comprendre, mais la seule chose qui les anime, c'est de semer la confusion et de troubler le maximum des enfants de Dieu. Une fois qu'ils atteignent cet objectif, c'est fini, ils ont gagné. Maintenant, quand tu vas discuter avec eux, c'est à la gloire de Dieu. Toute chose que tu fais, tu dois chercher à la gloire de qui je le fais. Est-ce que ce que tu fais, c'est à la gloire de Dieu ou à la gloire du diable? Donc, dans tout ce que tu fais tous les jours, ce que je suis en train de faire, c'est à la gloire du Seigneur Jésus. C'est à la gloire du diable. Parce qu'il a mis devant toi un choix. Ce choix-là te suit tous les jours. Il dit, je mets devant toi le bonheur et la malédiction. La vie et la mort. Choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Tous les matins, chaque chose que tu dois faire, il dépose ça devant toi. Chrétien qui refuse de payer ses dettes, qui toi, qui a l'argent, il dit même pas. Et lui aussi, quand il dit, élevez-vous même plus vers le Seigneur, lui aussi se met parmi les gens. Pourtant, il peut. La restitution, tu peux. Mais, il y a un démon qui travaille sur l'ensemble des chrétiens. Ce démon-là s'appelle Akiel. C'est le démon de la pauvreté. C'est lui qui pousse tous les dimanches ici.
qui se déploie dans la rue avec ses agents. Empêcher les chrétiens de donner les offrandes, leurs dîmes, leurs prémices, leurs actions de grâce avec un cœur joyeux à Dieu. Plusieurs chrétiens ont annulé les grâces et les bénédictions sur leur vie. Et venu de donner, le culte est fini, on s'en va mourir. Mais l'idée est pour moi. Ça me fait mal d'air. Ça veut dire moi qui. Dès que tu commences à faire ça, la bénédiction et la grâce qui te fait suivre ton action de grâce est annulée. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu. Entra chez lui. L'ange est entré dans sa maison. Et qui lui dit. L'ange va lui dire. Corneille. Corneille. Les regards fixés sur lui. Lui-même, il était effrayé. Et saisi d'effroi. Il était rempli de peur. Il tremblait. Il lui répondit. Qu'est-ce, Seigneur? Il tremble. Il dit qu'est-ce? Il dit qu'est-ce? Il sait même pas ce qu'il va dire. Et l'ange lui dit. L'ange maintenant lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Qui sont montés devant Dieu, c'était quoi? Tes prières et tes aumônes. Prières et aumônes. Dans aumônes, il y a quoi? Tout ce qu'il y a comme offrande, tout ce qu'il y a comme don, tout ce qu'il y a comme action de grâce, tout ce qu'il y a comme dîme, tout ce qu'il y a comme aide, tout ce qu'il y a comme solidarité, charité, c'est ça. C'est monter aux yeux de Dieu. Pourquoi? Je te dis la vérité. Si tu sais donner à l'Éternel, si tu sais donner à l'Éternel, Satan lui connaît ce principe. Satan sait. Ceux qui savent donner, on ne peut rien leur faire. Or, regardez, le club des dieux et des satanistes. On des clubs services. Ils se lèvent un matin. Ils s'en vont dans un village. Ils font des taux, sacs de riz, chaussures, habits. Même dans la magie catholique, ils ont un service qu'on appelle la caritas. On dépose habits, chaussures, à tout ce dont tu peux avoir besoin. Prenez nécessité. Mais si on dit prière à Jésus-Christ, ils sont zéro. Mais ce qu'on ne dit pas assez, le principe du donner et le principe du recevoir est universel. C'est pourquoi plusieurs païens pensent que la bénédiction de Dieu, c'est quand il a fait sa société et qu'il a payé une maison et qu'il a acheté une voiture, que ses enfants font quand même une grande école. Il dit, je suis béni. Tu n'es rien béni.
ce n'est pas la bénédiction de moi Jésus-Christ. Ça là, c'est rien du tout. La véritable bénédiction que le Seigneur Jésus donne, quand tu meurs, tu retournes avec ça au ciel. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre la méchanceté par le ciel? Est-ce que tu peux prendre la cupidité pour aller au ciel? Mais quand Élie montait, Élie était rempli de tout. Il n'a pas parti avec. Il a vu Élisée en train de lutter. Il a donné son manteau pour que Élisée puisse faire un peu. Les véritables bénédictions de l'Éternel, ce sont les dons spirituels. Et comme le diable sait, si tout le monde recherche les dons spirituels, tout le monde sera donc appelé à méditer la parole de Dieu jour et nuit. C'est clair. Et plusieurs enfants de Dieu qui ont ce don de vision, même qu'ils sont élèves, ils sont étudiants, avant d'aller à un examen, ce qui va être donné en composition, pendant qu'ils dorment, l'Éternel dit, mon fils, lève-toi. Il a eu tel coup. Voici tel problème. Voici comment. Il voit toutes les opérations. Tout ce qui va être donné comme sujet. Matin dit, ah, j'ai composé, j'ai vu. Et la livre classe, il dit, oh, il sera, j'ai vu son songe. J'ai étudié, j'ai révisé ça. Examen, il réussit. C'est ce que Daniel a fait. Et on dit l'intelligence est 10 fois plus élevée que celle des autres. Mais si nous cherchons les dons spirituels, la Bible devient donc quelque chose qui est important pour toi. La Bible devient donc un écrit que tu médites à chaque minute. La Bible, tu l'as déçu. Tu n'as rien pas fait à cause de ça. Mais si tu as les dons spirituels, c'est à la gloire de qui? C'est pas à la gloire de Jésus. Maintenant, si tu as les dons spirituels à la gloire de Jésus, ça dérange qui? Le monde des ténèbres. Parce que tu vas détruire tout ce qu'ils ont programmé dans ta famille, depuis vos ancêtres, arriver à ton tour, ça s'arrête. Et comme le combat, il est spirituel, le diable fait tout pour que tu oublies que le nom de Jésus est puissant. Que tu oublies que si tu es chrétien, c'est une autorité. Que tu oublies que le monde dans lequel tu es, si tu déclares et que tu crois de tout ton cœur ce que tu as dit, tu le verras ça. Je t'explique quelque chose. Dans le monde des ténèbres, il y a un principe qui dit pense. Pense. Et déclare-le. Ça s'accomplit. Pense. Déclare. Ça s'accomplit. Ils ont tiré ça de Marc 11, 23. Oh, non. Mais tu dis, vous jouez avec votre chrétien. Vous jouez avec votre. C'est pourquoi on a dit les potes, ils vont venir. Hier, j'ai menti, j'ai voulu mourir. Cette semaine, il vient encore. Bon, mon nez, j'ai volé là. Hier, c'était 100 francs. Cette fois-ci, il y a 10 francs. Et tu es toujours dans la même chose. Tu ne sens pas. Pourquoi? Pourquoi tu te parles là-bas? Qu'est-ce qui te retient? Si tu aimes Jésus-Christ, tu mets en pratique toutes ses paroles. Et quand tu mets en pratique ses paroles, tu obéis à ce commandement. On dit laisse-mèche. Ça c'est faux. Ça, c'était avant. On dit laisse-pantalon. Nous, on est dans la neige, il fait froid. J'étais en France, j'ai vu. 11 degrés. Le froid coin comme ça, quand il parle, vapeur sort. Femme blanche, elles sont en mini-jupe. Elles sont en petite robe pour ça qui arrive dans les génies. En plein hiver. Donc, si on vient dire que non, c'est parce qu'il fait froid, donc on peut pas attendre, c'est un mensonge.
C'est faux. C'est une rébellion à l'éternel. Porter pantalon, on va porter pied, et puis tu n'es pas notre Dieu. On s'en fout. C'est ce que ça veut dire. Et l'éternel dit sur ça. C'est une abomination. Maintenant, toi qui es enfant de Dieu, toi qui connais toutes ces choses, quand tu viens prier normalement, la prière que tu vas faire, quand on va te dire de prier, tu es tellement en, c'est-à-dire, tu es tellement en extase dans ta prière que tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois même plus où tu es là. Que lorsque tu finis. C'est pourquoi j'ai compris. Il y avait ce prophète au Nigeria qu'on appelait Babalola. Jusqu'aujourd'hui, les gens s'en vont faire des pèlerinages sur le lieu où il allait prier. Parce qu'il pouvait prier 3 jours, 4 jours, à genoux. Il avait l'impression qu'il y a 30 minutes qu'il est là. Souvent, il demande à ses enfants, ça fait 30 minutes de tsunami. Il y a 4 jours, c'est là. Pourquoi? Parce que quand tu comprends, regarde, le Seigneur Jésus a prié en agonie. Sa sueur est devenue du sang. Sang coagulé. C'est ça qu'on appelle des grumeaux. C'est-à-dire le sang, ça sort, ça se coagule, ça se coagule, ça tombe comme des petits cailloux. Lisons-le. Luc 22. À partir du verset 40 jusqu'à 46. Oh, les chrétiens, vraiment. Vous êtes décevants. Oui. Luc 22, verset 40. Je lis la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux. Attends. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc pour bloquer le péché, on utilise quoi? À prier. Maintenant toi, calculons ton temps de prier toute la journée, tu as prié. Il y a 24 heures dans la journée. 24 heures. Tu as prié combien de fois? La dîme du temps, c'est 2h40. Tu as prié combien de fois? Est-ce que tu as prié? Regardez, dans le monde spirituel, c'est les principes. Ce n'est pas non comme ton cœur est joli. Donc les démons disent, et lui, il est joli. On ne peut pas le toucher, tu mens. Ah, lui, là, son nom, le nom qu'il porte là. C'est un grand nom. Hein. Donc les démons, c'est faux. Ah, son habit, sa robe est belle. Donc les démons, c'est faux. Regardez, directeur de société, tu as fait l'école. J'ai vu la version. Sorcier écrit le premier. Pourtant, les directeurs de société. Il y en a même qui sont professeurs à l'université. Il est en train de construire sa maison. Sorcier regarde. Ah, nous, on est ici, on ne vole pas. Toi, petit, il le tue. Mais si on regarde en termes de connaissances, est-ce qu'on peut comparer? Donc, ce n'est pas ça là qui effraie les ténèbres. Ce n'est pas Allah qui effraie les sorciers. Ce n'est pas Allah qui effraie les démons. Allah lui-même est un démon. C'est clair. Mais quand tu dis Jésus, quand tu dis Jésus, pendant qu'on était à la veillée en France, on était dans une salle à Paris. En plein veillée, je regarde une sirène. Vrai que, couleur vert et rose, c'est sur elle. On chante, on chante. Ok. Seigneur, je vois l'électricité descendre du ciel comme ça. Boum! Bah! Oh, par le passé, elle avait des racines musulmanes. Ça l'a grillé, ça grillait la sirène comme ça au sol. Si tu crois fermement en Jésus, on dit qu'on tue les chrétiens ici. Mais ton cou ici, on va couper. On dit on coupe les pieds des chrétiens pour toi attraper. C'est
Tu renonces en coupe, tu dis couper. Mais il y a un homme qui soit là. Tu n'as pas dit couper, mon ami. Ah! Encore. Vrai, vrai. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Même coupe musicale. Moi, j'étais à la maison. Ils ont évangélisé, ils sont devenus des chiches. Moi, je vous dis la vérité. Les choses. Moi-même, je ne fais pas. Mais comme on était déjà là-bas, c'est ça, on les a suivis. Vraiment, si vous voulez couper tous les chrétiens, pasteur Jacques, il connaît chez vous. Je vais vous montrer ces enfants. Vous pouvez tous. C'est eux qui connaissent Dieu. Mais moi, ici, quand je pleure, je vais dire bon, maintenant ici. L'ange de la mort vient de promettre sa mort. Pendant la crise post-électorale, il y a des pasteurs que les FSI ont pris. Il y a un témoignage que j'ai reçu. Il était avec sa femme. On dit, ah, c'est vous les chrétiens. Voici un, c'est vous qui dites, il y a l'éternel des armées qui va nous détruire, non? Voici un. Toi, tu es pasteur, non? Il dit, ah, mon frère, tu me prends, je te mets, tu dis, mais c'est pasteur, tu me connais où? Ils ont dit à sa femme, toi, tu es chrétien, non? Elle dit, oui, moi, je suis chrétien. Je crois en Jésus. Et si vous ne croyez pas en Jésus, vous ferez mieux de croire en Jésus. C'est quand vous voulez faire la fête. Ils l'ont pris en immédiat. Son mari, comme il a régné, ils l'ont tué. Et ils ont raccompagné la femme en voiture chez elle. Lui là, il n'en fait pas au ciel. Il a régné le Seigneur. Les choses spirituelles, ça ne se font pas dans la chair. Le Seigneur est regardé sur la terre. Il a tapé sa poitrine pour Job. Il a regardé sur la terre. Quand il a vu Satan, il dit, viens d'où? Satan dit, je suis allé me promener sur la terre. Le Seigneur disait la Bible. Il dit, ah bon, tu as vu mon serviteur Job? Mais est-ce que toi, Dieu dit que lui, il est fier de toi? Regarde Job. Lis bien Job. Quand ses enfants sortent, quand ils vont rentrer le soir, il est assis, il dit, ah, peut-être que les enfants, quand ils sont sortis, ils ont commis des péchés. Il se met à genoux, il se répond pour tous ses enfants. Et il leur parle de Dieu. Il faisait de sorte que sa famille ne puisse jamais tomber en dehors de la main de l'Éternel. Dieu voyait ça. Il était fier des gens. Aujourd'hui, on est en 2023. Est-ce que Jésus peut être fier de toi pour dire au diable, regarde ma fille là, tu peux rien. Elle là, je suis fier de toi. Est-ce que, non, toi même, là, tu peux rien. Est-ce que Jésus peut dire qu'il est fier de toi? Pour répondre. Toi-même, quand tu te regardes là, Jésus peut dire non, mon fils est Jésus. Il peut dire ça. Donc, regarde-toi toi-même. Et puis, regarde ce que tu fais. Regarde-toi bien. C'est la même chose qu'il a dit à Pierre. Il dit, Pierre, même tu. Pierre a commencé à bavarder, puis tu as commencé à faire. Oui, 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 moi je t'aime. Il dit, Pierre, il dit, Pierre, Pierre dit, oui, même tu. Vraiment, tu sais que tu as même. Troisième fois, Pierre. Mon Dieu, Pierre a commencé à pleurer en même temps. Est-ce que toi tu es sûr que Jésus, aujourd'hui, là où il a été, il peut être fier de toi pour dire, j'ai ma fille sur terre, j'ai mon fils sur terre, je suis fier de lui. Est-ce que ce dont il est fier, on peut mettre ton nom dedans? Il faut te regarder toi-même. Il a dit ça pour Job. Est-ce que il peut dire ça pour toi. Il peut dire ça pour toi. Il peut dire quoi? Jésus va dire fier de toi. Il peut dire fier. Si il a dit pour
Job, ça veut dire qu'il y a une catégorie d'hommes et de chrétiens qui le dit. Est-ce que tu es dedans? Donc ce n'est pas venir à l'église que le problème. C'est le produit de ta foi. Maintenant, au moment où vient, dans le reste du verset, écoute bien, lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, viens ici, viens prendre ce qu'il dit. Il leur dit. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Donc la prière par la tentation. Ensuite, puis il s'éloigna de. Il les a laissés là. À la distance d'environ un jet de pierre. Donc à peut-être 2 mètres ou 3 mètres. Il n'était pas loin d'eux. Et s'étant mis à genoux. Jésus, il s'est mis à genoux. Il pria. Il a prié. Disant, il va dire. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Si tu vois ce que je suis en train de voir. Toutefois, vraiment, faut éloigner ça. Que ma volonté ne se fasse pas. Mais enlève la faiblesse. Enlève tout ce qui peut m'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et que ta volonté se fasse. Amen. Continue. Alors un ange lui apparut du ciel. Alors un ange est descendu du ciel. Pour le fortifier. Pour le fortifier. Il dit, prends courage. L'ange là, au lieu de le fortifier là, il pouvait venir à plusieurs fils et mettre devant lui. Venez le toucher, on va vous voir. L'ange là, lui seul, pouvait être à côté pour dire, le premier qui le touche, il va voir ce qui va lui arriver. Il pouvait faire ça, non? Mais est-ce qu'il l'a fait? Non. Parce qu'il y avait une alliance éternelle de son amour pour toi. Regarde, si Jésus n'était pas venu faire ce qu'il avait fait, les gens allaient faire sacrifice humain pour faire des choses comme qui vont t'étonner. Vous ne lisez pas, vous ne lisez pas. Le Covid qui est venu, les millions de personnes qui sont mortes, c'est pour lancer le programme de l'Antéchrist. Toute chose qui doit se faire sur la terre doit être appuyée par le sang humain. C'est pourquoi toi-même dans ta région, quand le roi meurt, on fait quoi? Quand le roi meurt, on fait quoi? On tue des gens pour l'accompagner. Quand le roi meurt, on ne se promène plus que Dieu à 18h, je m'en dis. Si le roi est mort, promène-toi à 19h, tu vas voir vivre le ciel. On te prend, te tue. On va vous coucher dans son caveau. Vous allez l'accompagner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit, chef traditionnel, roi, ce sont des agents du monde des ténèbres. Voilà la réalité. Alléluia. Amen. Étant en agonie, il priait plus instamment. Quand on dit que quelqu'un est en agonie, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas allé à l'école. Vous êtes parti à l'école. Avec vos propres français. Quand on dit que quelqu'un est en agonie, là, ça veut dire quoi? Hein? Il est entre la mort et la vie. Mais c'est lui qui vient de parler à des gens tout de suite. Et pendant qu'il est en train de prier, il voit qu'il est entre la mort et la vie. Il est en train de subir ce qui va arriver là. Il est en train de vivre ça. Au point où il ressent ça. Il ressent ça physiquement et dans son esprit. Mais au moment où il est en agonie, il pleurait. Oh, ils vont me frapper. Oh, il pleurait. Il pleurait quoi? Maintenant, toi, quand tu as les problèmes, tu fais quoi? Quand tu as les problèmes qui commencent, tu es sûr de dire, oh, il ne sait même pas. Tu lui dis, ne réponds pas. Jésus était submergé. Il était submergé. C'est-à-dire qu'il ne s'est même plus donné de la tête. Il était en agonie. Il faisait quoi? C'est maintenant que mes prières commencent. C'est maintenant qu'il a envie de prier. C'est maintenant qu'il était au combat. Mais toi, petit problème, minuscule problème, ça t'enlève le sommeil.
Tes yeux sont ouverts comme ça au plafond jusqu'à ma tête. Tu ne peux pas prendre ce temps-là pour prier. Tu ne pries pas. Hé, moi-même, c'est la terre ici. Je suis seul. Moi-même, j'ai un problème là. Personne ne veut m'aider. Oh Dieu, oh Seigneur. Et tu es étonné. Mais ça fait 2 jours le problème là. Mon frère est encore en prison. Non, ils vont nous emprisonner demain. Tu es quel genre de chrétien? Chiffre-toi toi-même. Alléluia. Chaque chrétien doit acheter une chicotte. Et puis lui-même, il sait. Tu te frappes. On dit, il y a quoi que tu te frappes comme ça? Tu dis non. Je comprends rien. Parce que si c'est quelqu'un qui te frappe, tu as porté plainte. Mais si tu te frappes toi-même, tu vas te réjouir. Alléluia. Le Seigneur Jésus était en agonie. C'est maintenant lui qui prie. Il va dire tiens, il est là. Moi, venir ici, tu vas dire. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus, les choses qu'il fait, tout ce qu'il fait, c'était hautement spirituel. Alléluia. Amen. C'est maintenant qu'on voit qui est chrétien. Lorsque ton frère est en prison, c'est maintenant qu'on voit qui est chrétien. Lorsque on veut vous arracher votre maison et que quelqu'un veut prendre l'héritage de la famille pour vous jeter dehors, c'est là qu'on voit qui est chrétien. Lorsque ton enfant sera jeté ou qu'il n'y a même plus de nourriture dans ta maison et que ton frigo est vide, le soir arrive, il n'y aura plus de nourriture à la maison. C'est là où on voit qui est chrétien. C'est mon homme. Alléluia. Mais toi, quand tu vois les problèmes nets, toi et le païen, vous faites association avec lui. C'est le païen qui te donne conseil. Or, toi, tu as le Dieu de toutes les possibilités. Tu le laisses. Tu gardes ta choix sur le païen. Et tu l'expliques le problème. Et tu vas. Oui, là, là, là. Et puis, le signe. Tu as vu, Dieu n'existe plus. Ça, c'était avant. Maintenant, là, il n'y a plus Dieu. Vous êtes là toujours avec vos grosses robes, vos frères, vous fatiguez les gens ici. Oh, voilà le problème. Viens ici, tiens l'argent, va régler ton problème. Hé, hey, mon frère, merci. Oh, mon Dieu. Quand on parle des chrétiens, là, il faut faire le lever dedans. Quand on vient faire l'adoration à Dieu, là, quand on parle des chrétiens, il faut quitter dedans. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Tu n'es pas chrétien. Et le diable, lui, tous les jours, ses agents travaillent. Ça va dire à ses agents que 95% de la population grecque, lui, n'est pas tout. Si Jésus n'était pas venu faire le sacrifice qu'il avait fait, je te dis que par le sang humain, ils allaient produire tellement de choses. Regarde, dans un témoignage, un mystique sataniste explique comment ils fabriquent l'argent. Ils prennent des papiers, ils le découpent à la mesure du billet de 10 000, mesure du billet de 1 000 francs, mesure du billet de 2 000 francs, mesure du billet de 5 000. C'est blanc. Ils s'en vont voir le sacristain. Vous savez qu'on appelle le sacristain. Celui qui a l'église catholique, qui se charge de garder tout le monde, pas l'église culte. Celui qui est dans la loge catholique, qui se charge de garder tous les instruments, c'est
c'est lui. Aucune cause. Mais maintenant, lorsque ce dernier, il vient le voir, il prend les billets, il soulève la table en béton, il dispose les papiers là-dessus, et puis il refait ça avec la table. Sur cette table en béton, il y a un petit creux au milieu où on met toujours un ossement. On fait. Si l'église s'appelle Saint-André, on dit c'est l'os de Saint-André. C'est pourquoi les actuellement, Benoît, combien il est mort. Et le fait qu'il soit mort, son corps est exposé. Donc vous allez voir que après, ils sont là comme tel caveau en bas. En bas de l'église, ils vont déposer sa maman. Dans l'église de Jésus, ils sont même des dates. Et ils ont des périodes comme les vendredis saints, qu'ils appellent les tout saints. On fait sortir tous ces morts pour nettoyer dans l'église de Jésus-Christ. Et vous dites que ça, c'est une église. Et toi qui as le vrai baptême en Jésus-Christ, toi qui as le véritable Saint-Esprit, on dit oui, voilà pourquoi le Seigneur dit quand je vais revenir, est-ce que je peux retrouver sur la terre la foi? Est-ce que la foi, je vais trouver encore sa suite? Alléluia. Ta foi, est-ce que ta foi va baisser demain ou bien ta foi va s'élever encore? Là, où tu es assis là, est-ce que tu sens que ta foi monte ou bien ta foi baisse? Il y a le quotidien, il y a une nouvelle voiture qu'on a achetée. Maintenant, ta foi, ça monte ou ça baisse? Arrête de te minimiser et de prendre la fête de Jésus là. Alléluia. Amen. Le diable pouvait dire à ses agents, dans son premier commandement, ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Actuellement, il y a 21 jours que j'aime. Après la 21 jours de jeûne, on va dans les 40 jours de jeûne. D'accord. Hein? Ça, c'est quoi ça? Et vous lui tuez cela. 21 jours. Que le Seigneur lui-même a expliqué. Mais il y a 40 jours pour les autres. Pour les prophétesses. On précise pour les prophétesses. Alléluia. 21 jours de jeûne, là, c'est pour qui? Pour les appeler. D'accord. Et les 40 jours de jeûne, c'est pour qui? La prophétesse, la servante, la serviteur de Dieu. Hein? Maintenant, vous, le peuple, là, vous voulez, c'est quoi pour faire? C'est quel jeûne pour vous? Hein? Après 21 jours de jeûne,
Combien après 40 jours de jeûne, vous devez recevoir qui? On dit encore. On n'a pas le monde spirituel. Faut répéter. Après 40 jours de jeûne, après 21 jours de jeûne, tu reçois quoi? Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a fini les 40 jours de jeûne, c'était quelle puissance qui était hein? Adam, la tentation est une puissance. Hein? Ah. Donc, c'est quoi les tentations qui font 21 jours? Ah non, il sait plus ce que tu m'as dit. Quand le Seigneur Jésus a fait les 40 jours de jeûne, quand il était à la fin, voilà ce qu'il a dit, c'est présent. Nous, on ne peut pas te laisser passer avec ça. Il faut qu'on bloque ça. Il faut qu'on arrête ça. Mais il va nous décrire. De jeûne, tu fais 21 jours de jeûne, tu entres dans une intimité avec le Seigneur. Plusieurs pensent que quand il a fini les 21 jours, il fait comme ça. Vous, on met dans les plafonds, les doigts tombent. Quand il y en a qui pensent ça, quand il a fini les 21 jours, il tape son pied comme ça au plateau. Boum, en mettant tous les immeubles là sur le plateau, ça tombe comme ça. Ta vision s'ouvre. Il n'y a rien qui peut se faire que tu vas être subi. Non. Et c'est là maintenant que tu deviens de plus en plus ténace à Jésus-Christ. C'est là maintenant que tu deviens de ta foi devient de plus en plus forte. Est-ce que tu vois? Et c'est maintenant que tu crois plus en Seigneur Jésus-Christ. Et comme maintenant tu vas prendre l'autorité pour lui, le ciel est là. Le Saint-Esprit se manifeste. Parce que celui qui est en train de parler, il est des nôtres. Ce n'est plus lui qui parle, mais c'est Dieu au travers de lui qui parle. L'élévation. En toi, les histoires de colère et d'irritation, ça n'existe pas. Puisque le diable a toujours utilisé la colère et l'irritation pour séduire les enfants de Dieu et pour les faire tomber. Mais il sait que par le jeûne et par la prière, il n'y a rien qui peut attraper un chrétien. Il sait. Donc, il va commencer à véhiculer les pensées du genre, tu jeûnes, tu vas gagner. Tu jeûnes, tu vas devenir fumé. Tes habits vont te flotter. Tu vas jeûner tes habits. Et il commence à dire, tu vas devenir, ton ventre va te faire mal, ton pied va te faire mal. Il commence à te faire tout ça. Et il te donne une peur du jeûne. Plusieurs ont peur du jeûne. Et maintenant, 21 jours, il est malade quand même. Je te dis, le 21 jours, il a dit, ah, mais c'est le père. Et nous qui sommes si très très malades, laissez-moi être dedans aussi. On va mettre ta main. Mais regarde, lorsque les esprits impurs, lorsque les démons, les satanistes,
les sorciers qui essaient de détruire l'église pour amener la division dans l'église. Tu sais que les jeunes te corrigent. Tu t'amuses. On dit, viens bien, s'il te plaît. Un jeune 80 jours pour provoquer des accidents sur l'autoroute. Ils s'en vont se coucher comme des fous. Écoute-moi bien. Tous les fous que tu vois sur la route là, c'est pas tous qui sont fous. Ceux qui recherchent la puissance, ils se mettent nus. Ils sont couchés sur le bord du béton, sur l'autoroute. Pendant 7 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Invoquant les démons, il faut que le sang coule pour que lui il puisse avoir l'autorité et la puissance. 7 jours, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas. Mais toi, chrétien, on dit jeûne pour la foi et l'élévation. Oh, mon Dieu, il a dit. On peut faire monter des dessins un peu. C'est un bon seulement. Oh, you know. Mais on ne mange pas. On ne mange pas. On ne mange pas. On mange pas. Ils sont malades. Va voir les spécialistes. Il y en a des conditions, mais tu commences à dire mon élève, on va le voir. Donc on va partir le voir là. On étudie, on étudie. Pour ne pas gêner. Mais tu fais la volonté de qui? Maintenant, quand tu ne gênes pas et que tu ne pries pas, tu fais la volonté de qui? De Satan. N'as-tu pas entendu dans le livre de Corinthiens que nous devons nous offrir comme sacrifice? Vivant, tu n'as pas entendu ça. Maintenant, ton sacrifice vivant, ton pauvre au fond, tu manges, c'est le temps que tu fais. Sacrifice vivant. Alléluia. Amen. Des chrétiens sont devenus des flemmards, des plaisantés, des peureuses. À 1h du matin, pendant que tout le monde dort, à cause des puissances, les enfants de la rébellion du diable sont sur ce métier, en train de briser ton. Pour faire sortir cadavre, pour couper langue, pour couper sexe, pour couper nombril, pour couper bras, pour couper, pour enlever dents, pour récolter barbe, pour récolter la salive, l'eau des cadavres, tout ça, vous venez travailler pour les enfants de Dieu. À toi, si dans la parole de Dieu on disait, il y a un temps où chacun doit aller au cimetière. Là, là, on a une là. On dit, viens prendre. Lui qui s'en va parler avec les démons, lui qui va sur les tombes, lui qui prend cette puissance-là, et puis toi, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas. Les démons.